Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Souleymane Diakité, donc je suis chargé d'animer le cours sur la modélisation avec la dynamique des systèmes. Nous allons aborder le premier module, n'est-ce pas, de ce cours qui portera sur les enjeux du cours, les attentes du cours et les différents modules que nous allons voir dans ces cours. Donc, pour y aller, nous pouvons dire que, comme contexte et justification qui a amené la mise en place, n'est-ce pas, de ces cours, nous pouvons dire que les récentes crises mondiales, nous avons eu la crise financière de 2008, n'est-ce pas, la crise de pandémie COVID-19 et récemment la crise de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et nous avons notamment d'autres crises en Afrique, notamment les crises sécuritaires sur la question du terrorisme et d'autres questions qui concernent l'Afrique. Donc, toutes ces récentes crises-là, pour les décideurs de l'agenda économique, d'une analyse en temps réel de l'environnement macroéconomique existant. Donc, ces crises-là existent là. Et l'analyse en temps réel permet d'élaborer en temps utile des politiques et des mesures économiques appropriées pour une croissance et un développement durable. Parmi les principaux défis, n'est-ce pas, à relever, nous pouvons citer les délais de publication des indicateurs macroéconomiques. Vous savez que les PIB annuels sont calculés pour la plupart des États africains, sont publiés pour les comptes provisoires une année après et pour les comptes définitifs souvent 2 ans, voire 3 années après. Même si nous avons des PIB trimestriels qui sont de plus en plus estimés, mais nous avons un délai de publication des indicateurs macroéconomiques assez long. Les variables budgétaires aussi, les indicateurs régionaux, sectoriaux et les données désagrégées souvent ne sont pas disponibles. D'autres défis, c'est la disponibilité récente des grands ensembles de données et des progrès réalisés dans les domaines des statistiques et de l'apprentissage automatique et de l'économétrie qui ont suscité un intérêt pour les modèles prédictifs et ont permis d'établir des prévisions macroéconomiques immédiates, c'est-à-dire à prédire l'état actuel macroéconomique des pays dans un futur très proche, très récent et des indicateurs économiques. Il est donc primordial de promouvoir une masse critique, n'est-ce pas, de modélisateurs qualifiés ayant une compréhension et une connaissance solide des comportements des agrégats macroéconomiques et des facteurs qui sous-tendent ces comportements. Donc, c'est ça qui a poussé, n'est-ce pas, ce besoin qui a poussé la Commission économique pour l'Afrique a mis en place les réseaux des jeunes économistes, n'est-ce pas? Donc, ces réseaux pour inciter les jeunes africains à se former à la modélisation macroéconomique. Donc, on a eu différents cours qui ont été déjà dispensés, notamment des modules portant sur les modèles d'équilibre général calculable, les modules portant sur la modélisation macroéconomique, les modèles de VAR, sur les variables autorégressibles, les vecteurs autorégressibles ou les modèles à correction d'erreur. Donc, le présent cours formera des professionnels qui passent au crible des données volumineuses et complexes afin de distiller en temps utile des informations pertinentes pour la modélisation macroéconomique en vue de la planification du développement. Parce qu'il est important de savoir, à partir des données existantes, de pouvoir avoir des informations futures sur comment l'économie va se comporter dans le futur. Donc, l'objectif de cet apprentissage est donc, à la fin de ce cours, les participants, hein, n'est-ce pas, qui auront suivi ce cours, seront en mesure de discuter de la théorie qui sous-tend la dynamique des systèmes. Pourquoi les premiers auteurs, n'est-ce pas, qui sont sur l'idée de base de la dynamique des systèmes, pourquoi ces auteurs ont proposé cette approche de modélisation, de discuter des théories et des concepts clés de la dynamique des systèmes tels que les diagrammes causales, les diagrammes de flux et de stock, parce que nous allons voir ces différentes notions après.
c'est quoi une variable de flux, c'est quoi une variable de stock, comment mettre en place avec des diagrammes, identifier si une variable macroéconomique ou socio-démographique, n'est-ce pas, est une variable de flux ou une variable de stock, hein, n'est-ce pas? Toutes ces notions-là seront un peu liées, n'est-ce pas, à la notion de flux et de stock qu'on voit déjà en physique. Donc, on retrouve ces notions-là en macroéconomie notamment. Donc, nous allons pouvoir décrire les différents types de rétroactivité, c'est-à-dire une variable qui agit sur une seconde variable et la seconde, à son tour, va revenir, réagir sur la première et comment cette rétroactivité va se comporter. Est-ce qu'elle sera des rétroactivités renforçantes ou bien ce sera des rétroactivités balançantes? Je prends juste un exemple simple, n'est-ce pas? Ce sont les naissances qui vont donner, venir, les naissances actuelles qui vont venir accroître la population actuelle. Donc, l'accroissement de la population actuelle va faire qu'on va avoir une population en âge de procréation encore plus grande, qui vont encore faire plus de naissances. Donc, on va avoir une population, l'accroissement de la population va amener l'accroissement des naissances qui, à l'état initial, avait amené l'accroissement de la population. Donc, on verra ce type de boucle rétroactivité qu'on va détailler dans les futurs. On va discuter aussi des différents types de croissance parce qu'en économie, nous avons différents types de croissance, des croissances exponentielles, des croissances linéaires, des croissances des oscillations, des croissances en S, des croissances avec dépassement ou avec effet de seuil. Donc, nous allons pouvoir voir ces différents types de croissance parce que vous savez très bien que l'économie, les variables économiques, par exemple, peuvent ne pas évoluer de la même manière, de même qu'on peut avoir des différences entre l'évolution des variables économiques et des variables démographiques. Donc, quand on mettra tous ces ensembles de variables en commun, il va y avoir des comportements qui ne seront pas identiques. Donc, nous verrons dans la suite ces différents types de croissance. Nous savons, par exemple, on peut prendre l'exemple du nombre de cas de coronavirus qu'on a observé dans certains pays. La COVID est partie de la Chine, n'est-ce pas, en 2019, mais ça s'est étendu au monde entier et le nombre de cas déclarés par jour à un moment suivait des évolutions très grandes. Donc, on parlera de croissance exponentielle, n'est-ce pas? Et nous allons appliquer les principes de modélisation des séries temporelles aussi, comment on modélise des séries temporelles, identifier la nature de la croissance des variables macroéconomiques et socio-démographiques, c'est-à-dire comment ces variables interagissent et comment est-ce que la croissance macroéconomique tire, d'où est-ce que la croissance macroéconomique tire ses sources. Appliquer des outils pratiques de la dynamique des systèmes, donc nous allons pouvoir utiliser un logiciel pratique. Dans le cadre de ce cours, nous avons décidé d'utiliser, n'est-ce pas, le logiciel VinSim. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'autres logiciels de modélisation de la dynamique des systèmes, mais le choix de ces logiciels se justifie surtout, n'est-ce pas, par sa flexibilité déjà, la prise en compte des différentes possibilités, mais aussi nous avons une version étudiantine qui est une version gratuite. Donc, nous pourrons dans le module 2, installer ensemble les logiciels et voir comment pouvoir créer, n'est-ce pas, notre modèle à l'aide de ces logiciels-là. Nous allons réaliser les modèles simples, n'est-ce pas, avec les logiciels, un premier modèle, des exemples de modèles simples avec les logiciels VinSim avant de faire des simulations beaucoup plus compliquées. Donc, l'approche du cours comporte des supports de cours en ligne et autoguidés avec des textes et des figures à réaliser. Après chaque leçon hebdomadaire ou module, nous allons va porter sur un sujet distinct. Donc, le premier va porter sur les concepts clés, n'est-ce pas, de la dynamique des systèmes, les boucles rétroactives, les diagrammes de flux et de stock, et comment réaliser ces différents diagrammes-là. Le second module portera notamment sur la réalisation des modèles simples avec VinSim, avant qu'on voit dans les modules suivants des exemples pratiques de simulation des politiques économiques. Donc, le sujet de chaque semaine est soutenu par un ensemble de lectures contenant des informations supplémentaires
et plus approfondie. Donc, les lectures pour chaque semaine comprennent donc une série de lectures obligatoires sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu complexe, même si on va essayer de les rendre assez simples. Une étude de cas pour illustrer le sujet, une série de lectures complémentaires avec des informations supplémentaires sur les personnes intéressées, pour les personnes intéressées pour les lectures complémentaires. Chaque semaine comporte une activité interactive pour aider les participants à trouver, n'est-ce pas, des informations spécifiques à un pays en rapport avec le sujet de la semaine. Nous aurons aussi des quiz, des questions, des discussions qui sont fournies pour guider la discussion en ligne. N'est-ce pas? Nous allons poser des questions en ligne et échanger pour que l'apprentissage soit, n'est-ce pas, active, que les participants puissent échanger sur différentes questions. Des questions pratiques à la fin, n'est-ce pas, de chaque module pour évaluer l'apprentissage, pour voir est-ce qu'on a bien maîtrisé les notions qui sont enseignées dans le module. Les questions pratiques sont basées sur le matériel du cours et dont la lecture est obligatoire, n'est-ce pas? Donc, l'approche du cours, on va avoir quatre modules pour ce premier cours, n'est-ce pas? Nous allons vous fournir alors du matériel de cours autodidacte hein, pour comprendre les concepts clés et les réalisations des différents exemples de modélisation que nous verrons. Donc, comme résultat de ces matériels-là, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, vous approprier de ces concepts clés et de pouvoir réaliser, n'est-ce pas, des modèles basés sur la dynamique des systèmes. Hein, n'est-ce pas? Nous aurons des lectures et des études de cas pour approfondir les connaissances et des activités interactives. Nous allons pouvoir prendre des exemples de données et visualiser des pays, prendre des exemples sur certains pays ou certaines données ou encore des pays fictifs, n'est-ce pas? On verra par la suite comment simuler, n'est-ce pas, des différentes politiques macroéconomiques ou sociales pour pouvoir choisir les meilleures politiques de développement. Donc, nous allons avoir aussi des questions pratiques pour s'assurer que, n'est-ce pas, tout cela est bien, l'apprentissage a bien eu lieu. Donc, les thèmes abordés dans le cadre de ces cours porteront notamment sur quatre modules, n'est-ce pas, je vous en avais déjà parlé. Le premier module porte sur la définition de la dynamique des systèmes et les concepts clés. Donc, vous devez savoir avoir une définition pour la dynamique des systèmes. Mais il y aura des propositions de définition, mais à la fin du module, on va vous laisser vous-même donner votre propre définition, n'est-ce pas, de la dynamique des systèmes et comment les auteurs, les premiers auteurs de la dynamique des systèmes ont proposé leur définition. Et comment est-ce qu'on pourra adapter selon les contextes ces différentes définitions-là? Le second module portera sur la structure et le comportement des systèmes dynamiques. Hein? Comment est-ce qu'on va lier ensemble les variables? Comment on va établir les diagrammes? Comment on va modéliser, n'est-ce pas, la dynamique des systèmes? Mettre tout ça là dans des diagrammes en mettant les différents types d'actions ou de rétroactions entre les variables. Et quels sont les différents types de variables qu'on a, les variables de flux, des variables de stock, etc. Le troisième module sera plus pratique, n'est-ce pas? Le second, il y aura des quiz à la fin, mais le troisième sera plus pratique, hein, n'est-ce pas? On va utiliser le logiciel VinSim, comme je disais tout à l'heure, VinSim, pour créer notre premier modèle, n'est-ce pas, sur la dynamique des systèmes. Bon, on a choisi un modèle pour prédire, n'est-ce pas, la population d'un pays qu'on va choisir comme ça. Donc, on va, à partir de certaines informations sur les taux de natalité, n'est-ce pas, sur les mouvements de population, on va faire modéliser et prévoir la population future d'un pays donné et pouvoir représenter l'évolution de ces populations-là. Le troisième module porte sur des cas pratiques de simulation des politiques de développement. Nous allons voir comment mettre en œuvre des politiques éducatives, des politiques sanitaires, des politiques agricoles et pouvoir choisir, n'est-ce pas, entre ces différents types de politiques, les meilleures politiques qui vont nous permettre d'avoir plus de croissance macroéconomique, par exemple. Donc, en gros, voilà la fin de ces
premier module d'introduction. Nous allons, dans une prochaine vidéo, revenir sur le module 1 qui portera sur la dynamique, la définition de la dynamique des systèmes et les concepts clés. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour le module suivant. Merci.